Todas as manhãs se erguiam sete sóis sobre a planície de Nharim. Nesses tempos o firmamento era bem maior e nele cabiam todos os astros, os vivos e os mortos. Nua como havia dormido, a nossa mãe saía de casa com uma peneira na mão. Ia escolher o melhor dos sóis. Com a peneira recolhia as restantes seis estrelas e trazia-as para a aldeia. enterrava junto à termiteira por trás da nossa casa. Aquele era o nosso cemitério de criaturas celestiais. Um dia, caso precisássemos, Iríamos lá desenterrar estrelas. Por motivo desse património, nós não éramos pobres. Assim dizia a nossa mãe Chiquase Macuaco. Quem nos visitasse, porém, sabia a outra razão desta crença. Era na termiteira que nós amarrávamos as placentas e os panos brancos. Era ali que víamos falar com os nossos defuntos. A termiteira era assim, o contrário de um cemitério. Guardiã das chuvas, nela morava a nossa eternidade. Certa vez, já amanhã peneirada, uma bota pisou o sol, esse sol que amanhã e a mãe haviam eleito. Era uma bota militar, igual à que os portugueses usavam. Desta vez, porém, quem a trazia a calçada era um soldado nguni. O soldado vinha a mando do imperador mungungunhan. Os imperadores têm fome da terra e os seus soldados são bocas devorando de nações. Aquela bota quebrou o sol em mil estilhaços e o dia ficou escuro. Os restantes dias também, os sete sóis morriam debaixo das botas dos militares. A nossa terra estava a ser abocanhada, sem estrelas para alimentar os nossos sonhos. Nós aprendíamos a ser pobres e não perdíamos da eternidade, sabendo que a eternidade é apenas o outro nome da vida. Tous les matins se levait sept soleils sur la plaine d'Ignarim. En ces temps-là, le firmament était bien plus grand et en lui tenaient tous les astres, les vivants et les morts. Nue comme elle avait dormi, notre mère sortait de la maison avec un tamis à la main. Elle allait choisir le meilleur des soleils. Avec le tamis, elle recueillait les six étoiles restantes et les rapportait au village. Elle les enterrait près de la termitière derrière notre maison. C'était celui-là notre cimetière de créatures célestes. Un jour, en cas de besoin, nous irions là-bas déterrer les étoiles. En raison de ce patrimoine, nous n'étions pas pauvres. Ainsi disait notre mère, Shikazi Makwakwa. Celui qui nous rendait visite connaissait l'autre raison de cette croyance. C'était dans la termitière qu'on enterrait les placentas et qu'on attachait les tissus blancs. Là, nous parlions avec nos morts. La termitière était néanmoins le contraire d'un cimetière. Gardienne des pluies, en elle habitait notre éternité. Une fois, le matin déjà tamisé, une botte écrasa le soleil. Ce soleil que le matin et ma mère avaient élu. C'était une botte militaire identique à celle que les Portugais portaient. Cette fois, pourtant, c'était un soldat Van Gouni qui l'avait au pied. Le soldat était envoyé par l'empereur Nungunyan. Les empereurs ont faim de la terre, et leurs soldats sont des bouches qui dévorent les nations. Cette botte brisa le soleil en mille éclats, et le jour devint sombre, les autres jours aussi. Les sept soleils mouraient sous les bottes des militaires. Notre terre était en train d'être déchiquetée. Sans étoiles pour alimenter nos rêves, nous apprenions à être pauvres, et nous nous égarions de l'éternité. Sachant que l'éternité Nem que l'outro nome da vida. Durante anos foi assim. Em plena estiagem, o meu avô semeava grãos de milho em grupos de três no solo ressequido e morto. A avó chamava-o à razão, como se razão pudesse haver numa vida que é mais árida que o deserto. E o marido respondia: É chuva que eu estou a semear. Exímio tocador de marimba, o meu pai nunca se afeiçoou aos trabalhos agrícolas. Agora, na pequena ilha em que repousávamos, os seus dedos faziam o que sempre fizeram: tamborilavam a areia como se tudo em volta fossem sonantes teclas. Mas era uma música feita apenas de silêncio, uma desesperada mensagem para alguém que na outra margem do rio soubesse botar o chão. Mas já ninguém escutava a terra. Em toda a região, soldados de Portugal e Gongolhano preparavam-se para o combate final. Não era a vitória que os motivava, era o que seguiria. O mágico desaparecimento dos que antes foram inimigos, a retificação de um erro na obra divina. O meu avô plantava impossíveis sementes, o meu pai embalava com os dedos o sono daqueles que na terra dormem. Essa era a triste ironia do nosso tempo, enquanto em desespero procurávamos salvar um soldado branco a poucos quilómetros dali. Instalara-se um matadouro para milhares de seres humanos. No cruzado destes cegos rancores, nós, os VaChop, éramos os mais vulneráveis. O Gungunhan tinha jurado exterminar os da nossa raça como se fôssemos bichos que Deus se arrependera de ter criado. Estávamos entregues à proteção dos portugueses, mas esse amparo estava sujeito a temporários acordos entre o reino de Portugal e os vanguni. O sargento Germano de Melo era uma dessas criaturas que viera do outro lado do mundo, para me proteger. Em menina eu acreditava que os anjos eram brancos e de olhos azuis. Aquela aguada coloração era para nós um sinal de que eles eram cegos. Recém-chegado à África, o padre Rodolfo era contido quando me respondia sobre o que sabia dos anjos, essas criaturas celestiais. Não conheço os de lá de lá. Garantem que esses anjos têm asas, mas só diz isso quem nunca os viu. E uma coisa estava segura: o meu anjo. Seria branco e de olhos azuis, como este sargento que anos depois se apoiava no meu colo. Este era um mensageiro noturno. Apenas no escuro se lembrava da mensagem de que era portador. Esse recado divino dormia agora entre seus lábios. Obtecia a sua súplica e debrucei-me sobre a sua boca. Pendant des années, cela s'était passé ainsi. En pleine saison sèche, mon grand-père semait des graines de maïs par trois sur le sol racorni et mort. Grand-mère l'appelait à la raison, comme si raison il pouvait y avoir dans une vie qui est plus aride que le désert. Et le mari répondait, C'est la pluie que je suis en train de semer. Excellent joueur de marimba, mon père ne s'était jamais consacré aux travaux des champs. À présent, sur la petite île où nous nous reposions, ses doigts faisaient ce qu'ils avaient toujours fait. Ils tambourinaient le sable comme si tout alentour était des touches sonores. Mais c'était une musique composée uniquement de silence. Un message désespéré pour quelqu'un qui, sur l'autre rive du fleuve, saurait écouter le sol. Mais déjà plus personne n'écoutait la terre. Dans toute la région, des soldats du Portugal et de Nungonian se préparaient au combat final. Ce n'était pas la victoire qui les motivait le plus, mais ce qui s'ensuivrait, la disparition magique de ceux qui auparavant avaient été les ennemis, la rectification d'une erreur dans l'œuvre divine. Mon grand-père plantait d'impossibles semences, mon père bercé de ses doigts le sommeil de ceux qui dans la terre dorment. Telle était la triste ironie de notre époque. Tandis que désespérés nous cherchions à sauver un soldat blanc, un abattoir pour des milliers d'êtres humains s'était installé à quelques kilomètres de là. Au carrefour de ces rancœurs aveugles, nous, les vaches au étions les plus vulnérables. Nungonia avait juré d'exterminer ceux de notre race comme si nous étions des bêtes que Dieu se repentait d'avoir créées. Notre protection était aux mains des Portugais, mais ce soutien dépendait des accords provisoires entre le royaume du Portugal et les Van le sergent Germain Doumerlou était l'une de ces créatures venues de l'autre côté du monde pour me protéger. Enfant, je croyais que les anges étaient blancs aux yeux bleus. Cette coloration cristalline était pour nous signe qu'ils étaient aveugles. Nous nouveaux venus en Afrique, le père Rudolf était mesuré quand il me disait ce qu'il savait des anges, ces créatures célestes. Je ne connais pas les anges de l'autre côté. On assure qu'ils ont des ailes. Mais seuls ceux qui ne les ont jamais vus disent ça. Moi j'étais sûre d'une chose mon ange à moi serait blanc aux yeux bleus, comme ce sergent qui des années plus tard s'appuyait sur mes genoux. C'était un messager nocturne. Dans le noir seulement il se souvenait du message dont il était porteur. Ce message divin dormait à présent entre ses lèvres. J'obéis à sa prière et me pencher sur sa bouche.